souhaitez connaître le secret de ce superbe smoothie qui va vous permettre de rester réveillé jusqu'à midi et surtout bien calé et en pleine forme, vous pouvez suivre le reste de cette recette juste après. A tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin d'une poignée de jeunes pousses d'épinards, d'une bonne poignée de fraises, d'une banane mûre, d'une demi-pomme juteuse et sucrée, d'un demi-kiwi mûr, une à trois dattes, un verre de jus d'agrumes, une cuillère à café de noix de coco râpée. Et c'est parti pour la préparation! Let's go! Pour cette recette, vous aurez donc besoin d'un blender, donc un petit récipient comme ça, et avec la machine qui va avec. Et d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes fraises en deux. Normalement, le blender, il n'y a pas besoin de couper en tout petits morceaux. Donc en deux, ça suffira. Il y a assez de puissance dans le blender pour que ça mixe bien. Voilà. Je vais aussi évidemment couper la pomme, enlever les pépins et la peau, hein, parce que c'est une pomme Fuji. Donc j'ai choisi cette pomme-là parce que je la trouve très juteuse et très sucrée. Donc du coup, sur les smoothies, c'est vraiment intéressant comme texture. Parce que certaines pommes qui ont une chair plus granuleuse, et ben le problème, c'est que du coup, on le ressent aussi dans le smoothie. Donc... Je fais la même chose avec les kiwis, enfin le morceau de kiwi. Chose importante, il faut surtout que tous les ingrédients que vous utilisez soient bien mûrs. C'est le cas aussi pour les bananes que j'ai déjà coupées. La mienne, malheureusement, n'était pas encore hyper mûre, mais il faut vraiment que ça soit mûr. Moi, j'aime bien rajouter des dattes. Des fois, les produits qui sont justement pas très très mûrs sont peu sucrés. Et c'est intéressant aussi d'avoir en bouche un goût un petit peu légèrement sucré le matin. Voilà, c'est intéressant. Et j'ai pas envie de rajouter du sucre ou quelque chose qui soit pas naturellement sucré. Donc, j'aime bien rajouter des dattes que je fais. Là j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le temps, j'étais pas chez moi hier. Mais que je fais tremper d'habitude toute la nuit dans de l'eau. Comme ça, elles se réhydratent, elles gonflent et elles deviennent vraiment très onctueuses. Elles sont très 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 molles et ça apporte une onctuosité qui est super intéressante quand on boit. Je prends mon pot à blender, je décortique les dattes et je les mets en premier dedans. Voilà. Les dattes, alors je préfère en mettre une à trois grand maximum, trois quand je sais que ça sera, il y a peu de sucre dans la préparation. Généralement j'en mets deux en fait. Voilà. Mais là, j'avais envie d'en faire trois, soyons généreux, gourmands, bref. Voilà, je mets les bananes, les kiwis. Je vais même recouper les pommes, en fait, parce que les pommes, c'est quand même assez dur. Voilà, je rajoute les fraises et les pousses d'épinards. Regarde-moi ça, je trouve ça super joli à regarder. Je suis sous ce camailleux un peu de couleur. Déjà, le matin, moi, ça met genre de super bonne humeur. Ensuite, je vais rajouter un peu de noix de coco. Alors la noix de coco, c'est complètement facultatif. C'est vraiment moi pour apporter un petit croquant, des petits granulés et puis pour le goût, voilà. Mais là, c'est vraiment pour donner une petite touche d'originalité à la préparation et parce qu'il faut que je termine ma noix de coco. Donc j'en mets très peu, voilà, je saupoudre quoi. Ensuite, moi, j'aime bien rajouter du jus. Souvent des jus d'agrumes, donc là c'est un jus, un mélange de jus d'orange, de mandarine et de raisin blanc. Il y en a aussi pas mal, surtout chez les Américains qui utilisent par exemple de l'eau de coco. J'aimerais vraiment essayer, mais c'est vrai que c'est souvent très cher, on le trouve souvent en petites briques de 50 centilitres à 3 euros, merci bien. Donc je vais essayer de trouver de l'eau de coco pour vous faire un smoothie à l'eau de coco. Mais là, le matin, c'est vrai que j'aime bien le côté super fruité, et comme j'ai pas d'appareil en fait pour... J'ai rien pour faire des jus moi-même et que du coup ça prendrait vachement plus de temps si je devais presser toutes mes oranges et toutes mes clémentines ou tout ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me laisser aller et prendre comme ça du jus déjà préparé. Mais alors il faut absolument que ça soit de la bonne qualité, une bonne marque avec surtout 100% plus jus, pas d'additifs, pas de conservateurs. Et de toute façon ça part très vite. Donc là c'est une bouteille de 1,5 litre et ça va me faire la semaine quoi je pense.
Donc voilà, je remplis généralement suivant le désir que j'ai de plus ou moins d'onctuosité dans mon smoothie. Donc si vous voulez vraiment un truc très liquide qui se boit comme ça, comme un jus, vraiment il faut recouvrir quasiment jusqu'en haut. Soit vous mettez juste à la moitié ou voire moins si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à une texture de soupe entre guillemets, donc plus épaisse, peut-être qui cale plus du coup aussi. Sinon vous pouvez aussi couper ce jus si vous voulez pas avoir trop de le sucre du jus d'orange, même s'il est naturel. Vous pouvez couper et mettre moite moite eau et jus. Vous pouvez mettre du lait aussi, mais moi le matin j'ai envie d'être truc vraiment très fruité, et donc je fais pas par exemple les bananes, les fraises ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est parti, je vais rajouter moi jusqu'environ la moitié. Voilà, hop, c'est bon pour moi. Je vais fermer la machine. Et maintenant, je vais le mettre sur ma machine. Ma baby, est-ce qu'elle soit bien fixée? Et je vais le mettre au maximum, à la puissance maximum, qui est la puissance 2, et de temps en temps faire des petits pulses. Une sème, voilà, que j'ai acheté en grande surface, enfin en magasin spécialisé. Je vous retrouve dans 2 secondes parce que en fait je n'ai pas de rallonge pour pouvoir le faire sur la table, donc je suis obligée de le faire non, je vais pas vous dire où je suis obligée de le faire, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand ça sera mixé. Il faut mixer environ, vous voyez, jusqu'à ce que la préparation soit en fait liquide, quoi, bien mixée, qu'il n'y ait pas de petits morceaux, que ça soit bien lisse, bien homogène. A tout de suite. Me revoilà avec mon jus mixé. Donc oui, la couleur n'est pas hyper ragoûtante, mais ça c'est à cause de l'épinard. Pourquoi j'utilise des jeunes pousses d'épinards? En fait, l'épinard, les jeunes pousses d'épinards et les épinards en général contiennent énormément d'antioxydants, de vitamine C, de provitamine E, il me semble, et donc énormément de vitamines comme ça, frais. Donc je trouve que c'est vraiment un plus à rajouter dans les smoothies, et d'autant plus que oui, ça n'a pas le goût d'herbe dans le smoothie. Ça n'a peu de goût, et en fait on le sent du coup pas trop en fait. On n'a pas l'impression de manger un jus de légumes, et ça accompagne du coup très bien les autres fruits. Pareil, pourquoi les autres fruits? La fraise, c'est un fruit qui est très peu calorique, mais en même temps qui a un goût bien sucré, qui a pareil des vitamines, plusieurs vitamines, qui est antioxydant. Après, bon, il y a toutes les histoires de machin anti-cancer, truc mûche, mais ça, c'est encore une autre histoire. La banane, c'est un fruit qui est très riche en fibres, qui cale bien et qui du coup nourrit bien, et le matin il faut tenir quand même jusqu'à midi, 1h. Donc la banane est un atout pour vraiment caler. Là c'est pour une seule personne, ça va environ me faire je pense 2 tasses. Je pense que j'aurais pu en faire plus, et comme ça je suis bien calée. Je prends en plus un petit fromage blanc par exemple avec des fruits séchés, ou un petit biscuit, ou des tartines, beurre miel. Voilà, j'agrémente ce jus et ça me fait vraiment un petit déjeuner qui est hyper solide et consistant, et en même temps qui est vraiment, qui réveille et qui fait du bien. Et qui... donc je vais sans plus tarder me servir. Donc vous pouvez prendre une tasse ou n'importe quoi évidemment pour vous servir. C'est vrai que c'est plus sympa quand c'est un verre en hauteur transparent, parce que du coup on voit vraiment le liquide à l'intérieur. Vous pouvez rajouter une petite paille un peu large pour pouvoir aspirer tout le... Moi je n'ai que des tasses comme ça, voilà. J'ai mes verres, ce sont des verres à moutarde. Voilà, donc hop, vous n'avez plus qu'à ouvrir ça. Voilà la préparation. Maintenant, je vous souhaite surtout une très bonne journée vitaminée. Vous pouvez me dire des nouvelles de cette recette. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur cette recette. Vous pouvez mettre tous les commentaires juste en bas. Je mettrai évidemment tous les ingrédients juste en bas aussi, et etc., etc. Et puis moi, je vous laisse avec mon petit déjeuner. Bye bye! Ah, c'est bon. Oh, les gens, je vous jure, vous ratez un truc si vous faites pas ça matin. Ah, j'aurais dû en faire plus, hein. Carrément. C'est la vie, je trouve.
Allez, au revoir maintenant.